Salutations YouTube. Avec un peu de chance, nous avons réglé nos problèmes de frame droppé. Ou pas. Nous verrons inch tout ça. Alors, Magdalene, elle a fait Mother Satan. Et c'est tout. Oh oui, oh l'ennui est total. Oh, dès le début, on est dans Curse of the Blind. Zinedine Zidane nous accueille dans cette Curse Room. Oh là là, incroyable jeu de jambes une fois de plus. Non mais Burning, c'est quoi les Curse of the Blind? C'est quoi votre problème de merde? Moi je veux juste jouer au jeu en fait. Je voulais juste briller. Pourquoi je fais ça? Bien sûr. Oula. Du grabuche, peut-être un enfant. Restons sur nos gardes. Peut-être lié au pion de l'enfant. Qui se réveille peut-être de sa sieste. Non. Non, c'était la Blue Candle, pas la Black Candle, hélas. Sinon, bien sûr. On y sera allé, Black Candle qui permet d'être débarrassé des malédictions pour tout le run. Plus un cœur noir. C'est fat. Bon, de toute façon, ensuite, on n'a pas l'argent, donc. Les Nancy Bombs, ouais, c'est rigolo. Ça me donne 5 bombes. Et des explosions aléatoires plutôt puissantes. Typiquement, là, le boss, si je le sens pas, je pense que je peux tenter une bombe et ça sera très efficace. Sacrifice Room. Je suis con, j'aurais pu y aller comme ça. Idiot. Pas de cœur ici, c'est ce que j'espérais. Merde, je croyais qu'il allait avoir 5 balles. Hein? Mais ma vie pue le sexe! Pardon. Pourquoi elle était dorée en plus d'être Brimstone Bomb? Mais j'en ai déjà une, c'est ridicule. J'ai regardé un message sur le chat qui me disait que ça laguait encore. Du coup, j'ai pas fait gaffe au fait que j'allais prendre ce cœur bleu de merde. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que ça laguait pas, là. Ok. Oui, il y a le cœur noir, mais c'est vraiment du gâchis, quoi. C'est la déprime.
Attendez, mais... C'était dans l'autre run, j'ai fumé du mauvais shield. J'avais pas un crackjax ? Oui, au boss. Putain, mais ce cœur bleu que j'aurais jamais dû prendre, ça m'énerve. Ok. Oui, c'est vrai, va sur le... Va là-dessus, voilà. Superbe. Tu nous fais ça, tu nous remets ça. Je suis une merde. Je suis une merde. Je m'attends à ce qu'il fait devant, j'arrive pas à lire encore son pattern avec les bras. Ok. Ok. Et maintenant... ouais, du coup j'aurais pas le... Attendez... Putain, donc j'ai ni eu le... Bon là j'ai eu les soul hearts au lieu des cœurs, des coins, c'est ce que je voulais. Par contre j'ai ni eu le god item, ni la TP god slash devil deal, c'est ça. Donc là après le deuxième manche, c'est forcément un dark room. On a loupé ses rendez-vous quoi. Ok. Mais je le sais que quand il croise, il peut faire diagonale. Que de la merde. Ah, c'est l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas tout défoncer? Une petite chanson, hein, d'accord, mais après papa travaille. Je te mets de la réverb, ça va être très impressionnant. Et j'enlève le son du jeu. Attends. Là, je... Papa fait tout pour que le concert soit incroyable. Viens, il y a de l'eau. Ah, zut. Attention. Allez. Pète. Jusqu'à que porte sur son dos, ça est venu. Aussitôt qu'il peut, il est tout erré. Il perd sa tête. Coucou. Bravo. Mais tu connais 40 000 autres chansons. Bravo pour le stream. Oui, il y a de l'eau par terre, c'est la gourde de papa. Toi qui ferme la porte, bien sûr. Très bien. Mais... Je t'aime. Moi. Moi. Elle a réouvert la porte pour le je t'aime. Alors, ok. Bon. Alors. Désolé YouTube, on est reparti. Hop là. Ah c'est ça, hein. C'est le confinement. Il y a irruption de l'enfant, c'est normal.
Mais non, mais ça, c'est ma spéciale. C'est mon signature move. Oh, le bel unlock. Allez hop, trois secrets qui partent là. J'ai le cœur noir. Hein. Merci Frosty Jack of 10 subs, merci énormément. Merci beaucoup, merci pour les subs Pepito Bat, Beniman 17, Swan Production, Kaname 439, Braco 97 et bien d'autres. Comment ça marche les unlocks? Oh là là! De mille manières différentes. Principalement en. Ma vie c'est de la merde. Principalement en battant des boss majeurs avec les divers personnages. En normal et en hard surtout. En faisant les challenges du jeu. En faisant les grid mode et gridier mode avec chaque perso. En faisant quelques actions particulières du style détruire sans pierre. Mourir 100 fois. Avoir tué tant d'anges, par exemple ici, etc., etc. Bref, de moult manières. Voilà, on a débloqué Datsuki, Angelic Feather en Trinket. Alors oui, il est nerfé, mais on le prend quand même. Par contre, avec 352 dégâts, c'est vraiment laser mis. Hein. Oh, mais ça rame déjà, le stream rame déjà. TechX a tué le stream. C'est ouf. Non mais... J'ai un Threadripper... Avec une 3080 et 256 Go de RAM, et TechX tue mon stream. Comment c'est possible? Commencer à ramer avant TechX, bah c'est formidable. Très content d'être là en tout cas. C'est 4 hein, lui. Faudrait que je perde de la shot speed. Shot speed, c'est pas bien avec tes kicks. C'est reparti pour des onion rings. Cassons-nous peut-être. 10 minutes. Et si on faisait le boss rush? Ah, j'avais la méga sale. Ou ça va être de la méga baise. Mais vu que j'ai Momski, je suis obligé d'y aller. Pourquoi ça rame? Même dans les déplacements, là, je sens que ça cut un peu.
Mamski, hein, bien sûr. 10 minutes 45. Est-ce que c'est jouable? Probablement. Allez, on tente. Il me faut du DPS par contre. J'ai Brimstone et Tech 10, mais j'ai 350 de dégâts, ce qui est anecdotique. Ensuite, j'ai mes bombes. Si je veux faire du DPS. Ah oui, 0,85 de speed, c'est vrai. The Sun, vas-y, on claque tout de suite. C'est un peu un crime de pas faire le shop avec autant d'argent en même skill. Hein. Le petit ch'tar plein de pulls. Hein. Bravo. C'est festival. C'est festival de la foire à la saucisse. Ah oui, mais oui. Et on a déjà eu ce build. Oh, le PC en PLS. Là, j'ai pas le message d'encoding lag, mais c'est mon jeu qui lag. Comment est-ce possible? Oui, donc Orbital Tears, là, il y a le combo, c'est que ça démarre. Hein. Ça agrandit mes Onion Rings. Donc c'est plutôt bon esprit. La fête est totale. Je tourne. Périphérique USB reconnu. Quoi? D'accord. Peut-être qu'ils pensent que ma 3080 est une clé USB. Ça expliquerait beaucoup de choses. Un jour ce stream fonctionnera, il n'y aura pas de problème technique. On parlera plus jamais de problème technique sur ce stream à chaque fois. Ça sera dans la joie et la volupté. Ça sera paisible. On rigolera tout en sachant que de toute façon le stream est en 1080p60 et drop 0 frame. On pourra juste se concentrer sur le stream en lui-même. Le contenu, oh, ce sera incroyable. Putain, vivement ce jour-là. Probablement pour mes 50 ans. Ok. À 50 ans, si t'as pas un stream qui drop 0 frame, t'as loupé ta vie. Hein. C'est connu. Et même là, ça rame comme Jaja, quoi. What the fuck, brah? Quand même une dinguerie. Et là, j'ai rebooté, c'est ça qui m'inquiète. De la pure merde en barquette. En barquette. Ok.
J'ai pas un The Sun, j'ai pas récupéré mon The Sun, je suis vraiment le pire joueur EU. Hein. 14 minutes 50. Ensuite j'ai la bille pour one shot mom, mais est-ce que ça suffira? J'ai pas de DPS. Le jeu rame. La vie pue le sexe. On aurait dû faire du Hearthstone Battlegrounds. J'ai envoyé un DM à Daz. Oh, Fallen. Fallen, c'est des objets à Devil Deal. C'est fluide chez vous, hein. Dites oui. Dans le doute, dites oui. Si c'est pas fluide, dites oui. Ah, plein de gens qui disent oui, putain, c'est que ça doit être fluide. Un peu aux F-tiers tout ça. J'ai pas le temps de niaiser là. 15 minutes 50. Non mais je crois vraiment au Devil Deal. Avec 0,85. Enfin au boss rush avec 0,85 de spin. Moi j'apprécie. Hein. J'apprécie ma fougue. J'ai toujours pas gagné de DPS du coup. Ma vie pue le sexe. Toujours à 3,50 de dégâts, c'est une hunt. Il faut que je spamme plus, là, j'essaie de charger la max. Ah, en plus j'ai un gros tier rate. Hein. Voilà, ça c'est le bon débit, ça. En mode chocolate milk. Attendez que le boss soit à côté de l'item room, ça serait un doux rêve, mais bon, sinon jamais. Oui, ça rame, je m'en doute. Non, il y a une petite chance. Il y a une petite chance que ça rame pas sur YouTube. Donc si vous êtes sur ce stream, abonnez-vous. Mais regardez sur YouTube. Quoi, j'ai pas de clé? Mais j'ai Momski, comment c'est possible? Comment c'est possible que j'en ai pas droppé 12 000 des clés? Dans les coffres. Allez, on n'a pas le temps là. Oh là là, mais... Oh là là, le jeu ramasse, ça ramasse. Le boss. Alors peut-être. Combien là? 17,40, moi j'y crois. Et vous? Oh monstro, c'est chiant. Magician, vas-y, on va claquer le Magician. Le DPS vous manque. Ça rame pas du tout là, c'est d'une fluidité incroyable. J'ai l'impression de jouer à un shmup sur Nintendo NES quoi. C'est un cœur qu'il faut bomber, le cœur qui nous troll. Easy. C'est vrai que si on avait le mapping, ça serait plus simple. Hein. Je vais pas vous le cacher.
pas pu me lâcher une The Emperor, bro. J'ai pas de clé. Ma vie pue le sexe. Ah, j'en ai une là. Je veux juste voir si j'abandonne le boss rush, parce que là je la tombe, je la one shot, mom. Je tente une dingue. Ok, c'est mort. Attendez. Mais c'est mort. Ok. Fais chier. The Hanged Man. C'est de pire en pire. Hein. FPS, c'est de pire en pire. J'ai envie de voir si j'arrête d'enregistrer la VOD, ça fonctionne. Tant pis. YouTube, je ferai un record sur Twitch. Ah, tu penses que tu sais? Oh, la chaîne a peut-être la solution. Ah, mais j'ai pas désactivé le SMT, je crois. Je voulais. Shell, mais je suis pas sûr. Et j'ai mis 36 là. J'ai mis 36 déjà. Non mais là j'ai rien fait. Hein. Mais SMT faut que je vois. C'est dans le bio ça que je le fais, non? Je sais plus si je l'ai fait ou pas. Je t'en avais parlé mais je crois que j'ai pas fait la démarche. Je sais pas s'il faut que je le fasse. Ah mais là c'est de pire en pire, c'est juste du délire. Hein. Du jamais vu ça. Ah, il a perdu... Non mais non, je voulais pas changer de... C'est une erreur. Mais ça, c'est de pire en pire, mais ça veut plus rien dire! Mais comment c'est possible, bordel de merde! Pardon. C'est Isaac, quoi. On le streamait bien il y a 4 ans. Ça se trouve, c'est encore parce que j'ai trop de plugins US... J'ai trop de trucs USB. J'ai pris un hub fait pour exprès. Auto-alimenté, blindé, vénère. Non mais ça peut pas être ça, j'ai moins de trucs qu'avant en vrai en plus. Stream d'Endurie, non mais ça va se terminer comme ça. Hein. Je vais juste faire une pause sur le local record pour voir. Je comprends, app. Je suis en médium là, ouais. Pourquoi il envoie 9000 kbps? Ah, j'appuie sur settings de OBS et ça tourne dans le vide. Est-ce que le stream a planté? Ah non. Je comprends app.
la cam va bien parce que le jeu est en pause. Non mais faut que je fasse venir quelqu'un. Hein. Faut que quelqu'un vienne marabouter ce PC. Hein. Regardez les VOD précédentes en full screen. On revient à YouTube. Allez, re-YouTube. Peut-être qu'on sauvera cette VOD de Maggie. Pourquoi mon objet il est en haut? Pourquoi le HUD il a changé? C'est quoi cette dingue? Je suis en player 2. Ah mais c'est mieux? Est-ce que je peux rester player 2 tout le temps? Putain, le jeu est fluide. C'est fluide chez vous? C'est donc possible de faire tourner Isaac sur un Threadripper? Insane, non, hein. C'est une dingue. Sur un chest, mais faudrait que je drop des clés hein, pour faire un chest un jour. C'est vrai que le DPS me manque terriblement. Lump of Call, ce serait bien. Bon, en fait, ensuite on prend aussi Krampus Rage vu que j'ai pas. Ah, si, j'ai la Bible, c'est vrai que mon objet est ailleurs. Faut aussi faire. Ah mais du coup, ah j'avais pas le vol. Et le one shot de mom, bon j'aurais peut-être pu... Ah mais j'ai mom skin, non? Let's go. Des clés. Ah j'ai que ça en vie, au secours. Ah mais je peux pas avoir tous mes points de vie avec ce mode P2 là. Comment ça se passe si j'ai plus de cœur que ça? Y'a la place? Probablement. Est-ce qu'on s'emmerde? Oui. Je suis une merde. C'est une partie coop? Non, c'est... Enfin, oui. Du coup, oui, sans le vouloir. Parce qu'on a dû relancer le jeu 3 fois et activer les ventilos. Regardez, il y a du rouge, mais ça marche! Insane! La dingue. Putain, heureusement que finalement elle a été repoussée à l'OP Outriders la dernière fois. Ça aurait été impossible d'avoir un stream correct. Ok. Très bien. Du coup, d'où venait le défaut? C'est vraiment un truc assez technique et assez rare. En fait, il y a quelque chose dans les PC qui s'appelle le refroidissement. Ça passe par du water cooling et aussi des ventilateurs. Et il semblerait qu'il soit nécessaire de l'activer. C'est une option assez cachée.
Non mais... Non mais voilà, non mais à Horus la famille, mais quand même, moi je blâme l'EMV, l'EMV du swag sur le water cooler qui du coup me monte pas la température. Mais j'aurais dû quand même avoir la puce à l'oreille. Parce que c'est vrai que quand je l'avais reçu, il faisait du bruit. Et le fait qu'il soit devenu silencieux du jour au lendemain... Ça concordait en plus avec ma désinstallation de la suite software. Enfin, ma non-réinstallation plutôt. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais notre build Pulsex, hein, soyons honnêtes. C'est rigolo, mais il n'y a pas de DPS. C'est confortable, hein, je dis pas le contraire, mais... Oh, mon ami, le vagin portatif. Meilleur. Meilleur mob. Très bien. Mais non, je veux des cœurs bleus. J'ai pas eu peur. Non, non, il va le tuer. Oh. Mais j'ai Campus Rage, amnésique. Mais oui, mais je suis pas habitué à ce HUD. Comme c'est pour ça que je reprenais des cartes, parce que je me rendais pas compte que j'avais des cartes. Des cartes. Ah non, mais elle était toujours en haut, la petite batterie. Je suis le pire. Ok. Putain, il veut pas me lâcher un petit cœur, là ? Ok, on a moult bons, moult clés, grâce à Momski, va falloir gratter, va falloir gratter à... Ah mais oui, parce que Orbital Tears en plus sur les Brimstone Bombs. Pourquoi y'a un coffre qui est pas pris là? J'ai trouvé ma source de DPS, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah oui, c'est pour ça. Ah merde, il y avait un Ziangman quelque part. Quoi ? Il m'a fait les mini-bombes. Ma vie pue. Merci Momski. Mais tu veux pas me lâcher, connard ? Ça dirait pas de me... Mais non mais putain, du coup il a pris, oh là là. Ça dirait pas de me lâcher genre des cœurs bleus ? Je le hais. Ça y est, c'est la fin. Ok, boomer. Ah
Mais j'ai 99 pièces déjà, idiot. Très bien. Je devais pas tenter H. Ah. Bah non. Ah, j'ai le Holy Mantle avec Ah, c'est pas jouer Holy Mantle une fois par niveau, la Wooden Cross. Genre c'est cool, c'est fine. Ah oui, si la Nancy bombe, elle me fait les mini-bombes en plus, c'est incroyable. Testons tout de suite. Non mais c'est caché, c'est pas du juste. Arrête de te cacher. Voilà. Holy Mantle, merci. La Tsitsin. J'ai toujours 3,60 de DPS, hein. On l'avait pas vu lui ? Ah oui, peut-être pas, ouais. Pas besoin de pièces, idiot. Merci à tous. Pas rien vu que c'est que des blindés chiants. Ok. Vous aimez vous emmerder ? Ah, le Holy Mantle qui part du coup. I found pills. À 0 DPS, mais en 60 FPS, tout à fait. Mais non, mais le Polaroid, idiot. J'avais oublié ce détail. Mais du coup j'ai plus de pôle là. Ah si, c'est bon. Vu que maintenant le jeu est sympa, on peut vider son dernier cœur. C'est vrai qu'on s'emmerde. C'est vrai que mes couilles plaisent. Comme le disait le chanteur dans cette chanson paillarde, mon ami Pierre. Ok. Bon bah, c'est bon. J'en ai plein le cul. Nose Goblin, ouais, pas sûr, la synergie. Ok.
Ah, c'est incroyable. Quelle fluidité. On a peu joué à Isaac cet après-midi, hein. C'est dommage. Mais ça nous a permis de vivre une belle aventure. Et de résoler nos problèmes. On a bien résolé nos problèmes, hein. Vitrine. Ok. Bon. Ah, Ultra Pride. Let's go. À left end, on a envie ou pas? Pas sûr. Ah, quoi que je suis à un Guppy, non? Ouais, Dead Cat. Dead Cat et Guppy's Airball, ouais. Alors peut-être. Je crois qu'avec Momski, c'est quand même. Et on va faire The Chest, c'est quand même la tristesse de prendre The Left End. Plutôt contre le procédé. Je devrais être pour, mais en même temps, j'ai tellement peu de DPS. Ah, quoi que ça me donnerait le vol, hein. Et le vol, c'est fort. Magique. Parce que là j'ai max cœur bleu donc j'ai quand même envie de faire de la... J'ai envie d'avoir des vrais power spikes et ça passe plus par des vrais coffres mais bon. Je suis une merde. Gimpy, don't worry. Allez Small Rock c'est maintenant. Le premier Small Rock de cette sauvegarde. Attendez, est-ce que c'est ce que je pense? Non. Parce que je pense, c'est pas un bout de clé, ça. La cracked key. Comme il a relâché direct. Idiot! Ah mais elle a disparu? Mais pourquoi elle arrête pas de se barrer? Ah parce que c'est une clé! Enfin c'est comme une carte, c'est pas un trinket, c'est moi qui fume du mauvais shit. Ça ressemble à la clé rouge un peu quoi. Ah je spam R1, ça marche pas. Est-ce que c'est une red key portative? Est-ce que ma vie pue le sexe? Juste tester une connerie. Je spam R1 un peu partout là. Marche up. On va garder ça dans le doute, hein. C'est chiant. Mais non mais je suis con, mon DPS c'est ça. Sur Isaac, j'ai le Polaroid, oui c'est ça.
chiant. Ah, c'est mon Elemental qui a sauté. Voilà, j'ai pas de DPS, au secours. Hop. L'objectif du run, c'est bah du coup là, Isaac Blue Baby, ouais bon c'est ce que je... Ah je l'ai vu là, oui. Donc ouais, c'est pareil, c'est une red key portable. Ça veut dire qu'avec cet objet de merde par exemple, je peux... débloquer le perso sans avoir la clé rouge que je n'arrive pas à avoir dans les nouveaux runs home. Probablement. Parce que oui, on ouvre les portes rouges et oui, on peut enchaîner. Ouais, voilà, ça c'est l'objet d'Anti-Burst pour créer des faux niveaux et enchaîner. Une merde. Ah ça j'en suis convaincu. On a Momski hein. Pour ne pas voler pour le coup. J'avais pas eu l'outre idiot. Quoi? Merci à tous. Mais on est où là? Oh là là. C'est honteux. Allez, terminons ce run. 17h50, oh là là, j'aurais même pas le temps d'en faire une autre. Je vais voir. Je suis pas sûr. J'aurais bien aimé, mais... On s'est fait absorber par les problèmes techniques. Mais bon, on a connu un happy ending, bien entendu. Hein. Incroyable happy ending.
fameuse finition manuelle, bien sûr. Quoique la quasi en presse, hein, pourquoi pas. Bon, il a bien mérité une petite bombe en plus, hein. Voire deux. Merde. Idiot. D'accord. Difficile, j'ai trop de vitesse, visiblement. Mais du coup, je fais nimp. Est-ce que je me déteste? Oui. Sachez-le. Ah, The Relic, très bon ça. Il faut que je fasse... Oh, ok. Il est pas mort. Et quel droit. Tu manges les cœurs pourris? Ah non, ça t'intéresse pas. Bien dommage. J'ai plus que 6 cœurs là. Toujours 360 de dégâts. Hein. Incroyable, mais vrai. Par contre, un tir rate. Bravo, bravo. Deux fois, je me suis fait toucher. Ah oui, j'ai pas l'air. Je m'étais dit, je vais pas réutiliser mes bombes parce que je peux faire cette salle sans. Et ben non. Parce que mon DPS pue. Mon chat, là. La game sans damage up. Fais-toi plaisir, là. C'est vrai que Dark Bum, waouh. Bon, là, il est sympa. Il m'a donné les cœurs noirs plusieurs fois, quand même, mais... Oh, Bloody Lust, ça va nous sauver la game. On va enfin avoir des dégâts. Faut juste pas crever. Mais vu que je vais me faire toucher, on va prendre des damage up à chaque fois. Ah mais attendez, est-ce que les damage up... Je crois que oui, hein. Ils compteront pour Mega Satan aussi. Fait partie de l'étage. Moon Equal Power serait plutôt de bonne alloi. Ouais, damage up. Pas trop envie du HP up pour le coup. Merde là. Ah c'est vrai que c'est marrant, j'ai pas le proc de Orbital Tears tout le temps. Mais c'est parce que j'ai aussi en plus de Brimstone Bomb, j'ai Nancy machin là. Qui fait des exploits aléatoires. Des DPS, hein, volontaire. Ah, quand même, des objets. Ouh. Il y a synergie. Est-ce que j'en ai qui font 4 fois plus mal? Pas sûr. Quoi qu'il y a synergie avec tout, la fête est totale.
Ok. Trois de luck, ouais. Pas tant de coffres. Donne-moi autre chose qu'un HP up, s'il te plaît, bro. Please, bro. Donne-moi quelque chose, quoi. Enfin des dégâts. Tout est pardonné. Si vraiment je tombe à trop peu de HP, on prendra les HP up qu'on a débloqués, hein, mais je préférais avoir évidemment l'effet du Polaroid actif. Ah oui, ça y est, ça commence à parler. Allez. Ah oui, c'est mieux. Ça, c'est Libra. Je sais pas si je l'ai déjà eu. Il me semble que je l'ai eu au début d'un run. Le problème c'est que ça équilibre toutes les stats, donc pour même mes damage up, ça, je sais pas ce que ça a donné. Ensuite j'ai tellement de tier rate que peut-être que je vais quand même gagner des dégâts en l'utilisant. J'ai beaucoup de range, ouais. Et ouais, on a perdu de la range, d'accord, ok. Et on a gagné un peu en tout. Donc c'est fine. On a gagné 6 clés, 6 gold et 6 bombes aussi au passage, mais ça c'est le passage un peu aux F. Et du coup ça me fait des all stats up quand je me fais toucher maintenant, au lieu de faire juste du dégât. C'est ça l'histoire un peu triste du truc. Tout se transforme en all stats up en fait. Donc Libra c'est en général assez faible. Il y a des rares situations où c'est fort, comme pour contrer par exemple un Led Soja. Oh, incroyable, le mob, hein. Notre vagin portatif qui a fait le taf. Bravo. Vu le portatif. Let's go. Quand un emote, je sais pas si l'emote passerait sur Twitch. Hein. Oh mais j'ai pas fait mon Blue Baby. Oh désolé, hein, on a passé 2 heures sur des problèmes techniques. Je suis plus dedans là. Là je profite, je savoure juste l'instant. Sur le Blue Baby, ça va être... ouais. On connaît le programme. Ah, j'ai pas eu de carte offensive. Hop là. Hop là. Et il est où le homing là? Voilà, merci. Est-ce que Mega Satan va nous offrir Delirium? Ça serait goodbye. Très bien vu de sa part. Je suis pas une merde, c'est faux. Alors, ça immunise aux explosions, le haut stat aussi, rappelez-moi. Ah, juste aux écrases. Je suis une merde. Aux explosions tout court ou c'est juste les écrasements? Ouais, ok. Ah donc c'est formidable, maintenant je peux vraiment envoyer mes bombes comme un gros dégueulasse. C'est pyro sans le soin, ouais, c'est ça.
Eh ben, je suis ravi. Attendez, j'ai quand même essayé de gratter ça. Ah oui, j'avais déjà essayé là. Y'a aucun cas où ça peut être là, on est d'accord. Là. J'ai pas testé là, sérieusement. J'ai déjà testé là. Je soude ma gueule, je crois. À gauche, deux salles sous le boss. Comment ça? Ah oui! Idiot, j'avais pas vu cette ouverture. Bien vu. Bravo à vous. Ah, en tout cas, c'était worse. Merci, bravo, bravo. Fatigué, on est fatigué. Hein. Fatigué d'expliquer. Bravo. C'était où le début du niveau? Là. On est dans le respect ici. Résiste. Ah, je suis surpris qu'il résiste autant, hein. Ok. Pas de délirium. Salaud. Je sais où tu te caches. Thank you.
Ah, Jesus Loves You, incroyable musique. Ah, on a encore perdu hein, des degrés. Hein. C'est plaisir. Je vais quand même mettre un peu de clim dans mon bureau. Parce que dans le bureau, on a gagné de la température. Celtic Cross, excellent objet. Le clou de clim. Combien de secrets? 248. On avance. Je mets à jour. Oh là là, mais j'ai tellement... Je vais devoir quand même retaper dans toutes mes VOD. Là, ça fait un petit moment que je plotte plus des VOD parce qu'on avait plus plein de couilles. Oh, j'avais eu l'irruption de bébé que j'ai édite. Ensuite, j'ai pas upload pour reprendre le fil. Là, il y a celle-ci à coller. Ça a demandé un petit peu de taf, ça. 18h07. On se fait une pause de 5 minutes. Ah, mais on a un daily challenge de mort à faire, non? On avait dit qu'on faisait les daily challenges. Parce qu'il faut les faire. Ah mais non, on va pas les faire parce que ça spoil. La dernière fois, on s'est fait spoiler un nouvel objet. Donc non. Ouais, au moins lancer et quitter pour dire qu'on l'a fait. Et à prendre les points. Bien vu, bien vu. Mon cher Shell. On se retrouve dans 5 minutes. Est-ce que vous connaissez... Oui, vous connaissez. Oh mais non, mais pourquoi être original quand on peut mettre la meilleure musique de l'univers ?